Mwana wa Beori petori kule moto. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Viens, je te prie. Mustari wa sita kuja na kusi. Moi ce peuple. Na uinlanie itaifa. Car il est plus puissant que moi. Kwani inakuya wa uwezo. Peut-être ainsi je le battrai. Sa zingine hivi tawapika. Et je le chasserai du pays. Na tawafukuza muinchi. Car celui que tu bénis est béni. Kwani ule wa unabariki anabarikiwa. Et celui que tu maudis est maudit. Na ule unalaani analaaniwa. Quand vous lisez les textes, vous allez comprendre. Dimension. Le peuple lui faisait sa marche. Mais un complot était en train de démontrer quelque part. On ne dit pas que ce n'est pas des problèmes avec les gens. Ne dit pas que moi je ne vais pas dans les maisons des gens. Ici on voit ce peuple qui s'est reposé seulement. Mais son succès troublait le monde, les ennemis. Il y a des gens qui te combattront seulement parce que tu réussis. Il y a les gens qui combattront tes enfants parce qu'ils sont intelligents à l'école. Il y a des combats qui viendront seulement parce que chez vous on vous épouse facilement. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait au roi des Amoréens? Au lieu de les attaquer, Balak va chercher à jeter un sort sur eux pour les battre. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que quand nous dormons, quand nous sommes dans la distraction, il y a des gens qui méditent le mal sur nous. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions réussir. Les gens qui raisonnent comment ils peuvent nous écraser. Oui, vous savez que le combat spirituel, c'est aussi se mesurer face à l'autre pour prouver qu'il est plus puissant que l'autre. Ce monde, c'est un monde d'appartenance. Et vous devez arriver à savoir que vous devez avoir votre intelligence renouvelée. Pour faire le combat spirituel, le chrétien doit être éclairé et comprendre une chose. Jésus est en train de dire, qui est cet homme qui veut combattre un homme fort sans pouvoir, sans au préalable évaluer son armure ou prendre les informations sur lui? Nani ule anapenda kumbanisha ata mutu mwingine bila ye kujua kwanza ule mutu anakuya na Jessica ni na nguvu kani? Si vous voulez faire le combat spirituel, kama unapenda kufanya vita ya kiroho, il faut chercher à discerner, inabidi kuwa na utambuzi, le type de combat ali ya vita et le type d'ennemi que nous avons, na ali ya adui ile tunayo. Sinon vous n'aurez jamais la victoire. Chapo kwa bure utapataka ushindi. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à comprendre quelles sont les stratégies de l'ennemi. Tunapaswa kuelewa kujua maufundi ya adui iko namna gani. Les ennemis, les moyens physiques et spirituels. Hata namna yake ya mwili ya kiro. Que le combat, il est vita. Que l'ennemi plutôt est en train d'engager. Il est adui anakuwa natumia. Le combat spirituel n'est pas imaginaire. C'est un combat réel et évident. La Bible dit ce n'est pas un combat contre la chair et les sangs. Mais c'est un combat réel. J'étais en train de parler avec quelqu'un le premier jour que j'ai commencé le séminaire ici. J'étais en train de lui parler, je lui dis, je vois ta promotion bloquée. Il me dit, certainement ma promotion, ça fait une année que j'attends une promotion. Je ne comprends pas ce qui se passe alors que je travaille beaucoup. Je donne tout ce que je peux. Bien aimé, bien que charnel, nous devons comprendre que le combat spirituel,
Na ingekuwa tuko na mwili inabidi tuelewe vita ya kiroho. Les échecs répétés par exemple dans les fiançailles n'est pas toujours la volonté de Dieu. Hata kule kushindikana kwa uchumba kila mara haina paka mapenzi ya Mungu. Des maladies qui bloquent les investissements et les projets. Na ile magonjwa ikunazuiza matayarisho fulani hata maakiba fulani. Quand l'année scolaire, l'année académique commence, la maladie plonge la famille. Vous ne savez même pas inscrire les enfants chôment. Hata kama mwaka ya majifunzo inaanza, magonjwa inaonekana na unashinda hata kupeleka watoto kushule. Vous voulez commencer le projet, la maladie commence et vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Munaanza matayarisho, magonjwa inaanza na unashinda kutimiza ile matengenezo yako. Des rébellions et les comportements bizarres des enfants qui vous poussent à dépenser inutilement l'argent. Na mautombozi hata matabia mubaya watoto inakusukuma wanze paka kutosha pesa kwa bure. Le diable pousse les enfants à avoir une grande main qui détruise tout. Na diabulo anafanya watoto bakwe na mikono ile kunarabisha byote. Des enfants qui créent des problèmes et que vous commencez à payer toujours. Na watoto wanaleta paka mamambo ili wanze paka kulipa kila wakati. À l'université, j'ai prié pour quelqu'un une année. Na ku university nilikuwa naombea mtu mwaka moja. Ce jeune homme, il a fait 4 ans. Na ule kijana alifanya miaka 4. Il connaissait des cas d'omission. Alikuwa na ona beko na sabu jina yake. Donc sur la liste, alors qu'il a déjà appelé Minerval, sa liste donc son nom n'est pas là. Analipa ma Minerval, lakini kama banatosha kartasi ya wale wanajulikana wenye kulipa jina yake haina. Si ce n'est pas le nom, ce sont des codes qui se perdent. Kama ina jina ni hata mapoint yake napotea. Quand on commence à prier, un esprit se manifeste, c'était Satan qui dit, lui là ne peut pas évoluer avec ses études. Na wakati tunaanza kuomba, mpepo moya sangasi yake unasema yeye ula ibidi aishe majifunzo. C'est seulement cette année là-bas qu'il était aligné et qu'il a réussi. Imaginez-vous, il a fait d'abord 4 années dans le vide. Na ni paka ile mwaka njo aliweza kufunda na kaweza, lakini anesha upitisha miaka 4 kwa bure. Hallelujah. Amina. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et tuko pamoja. Le combat spirituel, vita ya kiro, est une réalité. Ni ukweli. Vous devez arriver à comprendre. Mnapaswa kufika mkuelewa. Que l'église, ya kwamba kanisa, doit se battre réellement. Inapaswa kupikana hakika. J'étais en train de parler de confrontation de Samuel et de Goliath. Nilikuwa nasema juu ya ukomvi ya Daudi na Goliath. Quand Goliath voit David, na wakati Goliath anamwona Daudi, il dit, suis un champ pour m'envoyer un monsieur comme ça. Na anasema mimi niko imbwa juu mnitumie mtu kama huyo. La Bible dit il le maudit par ses dieux. Na Biblia sema akamulaani kupitia miungu yake. Église. Kanisa. Je ne connais pas quel est le type de combat que tu as. Chiuwe aligani ya vita huko nayo. Tu peux être à l'église. Unaweza kuya ku kanisa. Mais tu vis un véritable combat. Lakini unaishi vita ya kweli. Moi j'avais un enfant de Dieu, un enfant spirituel qui était même pasteur. Nilikuwa na mwana moyo mtumishi wa Mungu alikuwa tena mchungaji. Il ne pouvait pas rester avec une femme. Akuweza kubakia na mke. Et il ne pouvait pas garder le travail. Na kuweza kuchunga kazi. Et puis il était accompagné par un esprit de sécheresse. Na alikuwa anashindikiza na ile ndemona ya kukauka. Ce frère quand il arrive dans votre maison tout bloque alors qu'il était serviteur de Dieu. Na ule ndugu akiingia mnyumba yako byote binakauka ipokuja alikuwa mtumishi wa Mungu. Si il arrive seulement chez vous comme ça. Kama kafika tu kwenu hivi. Si vous avez un magasin. Kama mnakuwa na duka. Vous tombez dans la faillite. Ma ile duga ile bitu byote bitamalizika. Si tu travailles. Kama unatumika, tu perds le travail. Unapoteza na kazi. Il est arrivé chez moi. Akafika kwangu. Parce qu'il avait tellement de problèmes. Kwa hiyo alikuwa na mambo sana. Il a commencé à rester dans ma maison. Akaanza kubakia mnyumba yangu. Moi mon travail, le travail s'est terminé. Na mie kazi kamalizika. L'entreprise où j'avais j'étais. Na kule ku kampuni nilikuwa. Où je travaillais puis nilikuwa nafanya kazi. On a fait un licenciement massif. Na baka tosha bantu ba mingi mkazi. Moi aussi on m'a mis sur la liste de ces gens là-bas qui devaient partir. Na mie baka niweka kwa karatasi ya wale watu walipasha kutoka. L'entreprise a fermé. Na ile kampuni kafunga. Après un
moment j'ai commencé à prier, je pleurais. Na wakati nilikuwa naomba na kulia. Dieu me montre que c'est lui. Na Mungu akaniambia sema ni yeye. Je lui fais une cure d'âme. Nika mupeleleza nafsi. Je parle avec lui. Nika sungumuza naye. Il me dit papa je ne comprends pas. Anasema baba shielewe. Le travail s'est terminé. Wakati kazi ilimalizika. Je me suis reproché que c'était moi. Na niliweza kuangalia sema ni mie. J'avais envie de quitter votre maison. Nilikuwa natafuta hata ukimbia nyumba yako. Permettez-moi que je quitte ta maison. Na ruhusu tu nitoke mnyumba. Je vais me débrouiller. Tenda kujitafutisha. J'ai dit non. Nasema pa. Je ne vais pas quitter dans ma maison comme ça. Auta toka mnyumba yangu hivi. Parce que tu vas continuer à créer des problèmes partout. Njoo utaendelea kuleta magumu fashi yote. Je l'ai mis dans un jeûne de 3 jours. Nikamtia mafungo ya masiku 3. Et j'ai fait la délivrance. Nikafanya ufungulivu. Et depuis ce jour-là. Natangia ile siku. Sa vie était devenue libre. Na maisha yake kakuwa huru. Toutes les personnes que nous recevons dans nos maisons. Watu wote tunapokea manyumba yetu. Ne sont pas toujours des hommes normaux. Apana paka bantu ba usawa. Il y a des gens quand ils entrent comme ça dans ta maison. Kuku watu akiingie tu munyumba yako. Tout l'amour du couple là se termine. Ile mapendo ya josi inapotea. Incompréhension sur incompréhension. Makokotano kila wakati. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? La personne mutu a un esprit qui l'accompagne. Anakuwa na ndemona mwako na mshindikiza. Par moment les chrétiens se gênent. Na saa zingine wa Kristo wanakuwa wanajizuiza. Quand il y a des problèmes qui arrivent comme ça. Kama kuku maneno inafika vile. Alléluia. Amina. Tu as peur. Uko naogopa. Si je dis kama nasema peut-être. Saa zingine. Amumsaidie ole muntu. Vous n'aidez pas la personne. Alléluia. Amina. Si vous sentez que c'est dur. Na kama nasikia sema binakuwa nguvu. Conduisez-le chez les hommes de Dieu, par exemple chez papa. Munampeleka kwa watu wa Mungu kama vile kwa mchungaji. Nous avons reçu notre nièce. Tulipokea binti wetu. Nous avons reçu tel frère. Tulipokea nduku fulani. Et depuis que nous l'avons reçu, natangia tulimpokea. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuko kitu kile kiokoke. Est-ce que d'abord vous pouvez checker, est-ce que vous pouvez nous aider? Eti munaweza kutusaidia hako. Tout ce qui est visible. Yote naonekana. N'est pas tout ce qui existe. Aina joyote kunaishi. Je suis en train de suivre un couple pastoral. Niko nafatiria josi moya ya mchungaji. Et le couple devient dans des problèmes, ils veulent divorcer. Na ile josi ilikuwa mtatizo walipenda hata kuvunja ndoa. Je prie, il n'y a pas de signe, c'est un pasteur stable. Na omba kuna alama ni mchungaji yuko na ustare. Quand je demande à Dieu, wakati nikamuuliza Mungu, ils avaient laissé leur lit conjugal à un visiteur qui était aussi un serviteur de Dieu. Na baliachiaka mugeni moya mtumishi wa Mungu kitanda yabo ya yaye. Après son départ, kisha ye ule mtumishi kupita, le couple est devenu instable. Na ile josi ikakuwa kukosa salama. Hata mapendo yenyewe watumishi. Même l'amour entre serviteurs. Le lit conjugal est sacré. Kitanda ya munyumba inakuwa takatifu. Tu ne peux pas l'essuyer et tu ne peux pas le laisser n'importe qui. Hawezi kuichafula na kuiachia mtu yoyote. Alléluia. Amina. Tu n'es pas là. Aunako. Ta jeune sœur. Muloko yako mwanamke. Ta belle sœur. Na semeki yako mwanamke. Petit frère, muloko yako mwanaume, ile kitanda kiake ni kya kulala ni pa ile kitanda kiapo. Et le lit où il peut se reposer c'est seulement votre lit. Et il croyait que c'était un homme de Dieu. Ye alikuwa anazania ni mtu wa Mungu. Mais alikuwa ni mfumu. Mais c'était un devin. Anarabisha nyumba. Il a détruit la maison. Il a fallu beaucoup de prières. Il ibiti malombi mingi. Na mimi nazo panda hapo kumulima. Et j'ai commencé à monter avec à la montagne. Kubaweka kwa majeune. Et les amener dans des jeunes. J'ai gêné avec un moment donné, je lui ai dit, je ne veux pas souffrir, vous gênez, moi je viens prier pour vous. Parce qu'il y a des prix à payer que tu ne peux payer que toi-même. Na kuko ile mabei ya kulipa inabidi peke yako ujombele. Il fallait des prières, des jeûnes. Il ibidi malombi, mafungo. Le pasteur il était d'abord têtu. Na mchungaji alikuwa kwanza kitu kitu pasteur ne coupa kabla na muloka yeye anasema eno na sasa pengine bila mchezesha. Sasa vile yeye mchungaji asikie on la sorcelle il pense que c'est de la blague. Mama la kankamana. La mama a persévéré. Mais papa n'a pas kupata ndoto. Et un jour le papa a eu un rêve. Anatubu. Il s'est repenti. Kisa ile maombi. Après cette prière, où le pasteur m'a piqué on a magonchwa. Ce pasteur a été frappé de la maladie avant akufwe. Avant de mourir,
anatubu. Il s'est repenti. Mais kitwa kutubu. Et pendant qu'il s'est repenti. Imaginez-vous, ce couple a été détruit pendant ces 8 ans. Na mufikirie ile Joss il était seka kadiri ya miaka 8. Tous les dégâts qu'il a créés. Ile mbupaya bote aliweza kukokota. Anatubu bakufu. Il s'est repenti avant la mort. Je ne refuse pas de donner. Si katale kutoa. Il faut donner avec discernement. Inabidi kukabula na ufunuo. Alléluia. Amina. Il y a des choses que tu peux donner comme ça. Na kuku vitu naweza kukabula hivi. Njoo kunyima na kubambia. Et si à partir de ces choses on va te capturer. Kama kuna maombi ya mkopo. Et si tu as une prière de la boîte. Kuku bintu bipatia hata au travers de l'église, au travers de ton pasteur. Na il y a des choses que tu peux donner à travers l'église, à travers mchungaji. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui disent non, je lui ai donné 100 dollars, mais on n'a pas dans un coach. Mais à nous en coach, il y a 80 dollars, on a gardé 20 dollars. Il y a 20 dollars, on a aussi un mabung, on a coulé bien courati, on a gardé seulement 500 francs. À partir de 500 francs, balance fanya ma cérémonie. Et tu peux dire, je lui ai donné seulement 100 dollars et je vis comment il a dépensé. Il a acheté une veste, peut-être qu'il a acheté la veste à 80 dollars, il a gardé 20 dollars, et le 20 dollars, il a dépensé pour manger et il a gardé ne fût-ce que peut-être 500 dollars et 50 dollars. Et à partir de ces 50 dollars, il commence à faire des cérémonies. Quelqu'un me dit, moi je ne donne pas l'argent, mais je lui envoie par MPSA. Mais l'MPSA, c'est toi, c'est ton argent, non? Na mutu moi, c'est ma mise, peleka que mkono kwa mkono, minatuma kwa MPSA. Mais MPSA, c'est une pesa yako. Faut avoir le discernement. Inabidi kwa na utambuzi. Tout ce qui est visible. Yote naonekana. Le combat spirituel. Na vita ya kiro. C'est une réalité. Ni ukweli. Ce soir. Ijioni. Est-ce que tu peux prier? Et tu n'as comme pour dire à Dieu. Na kusema Mungu. Les choses que je ne comprends pas. Vitu vile michele. Les événements que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à discerner. Maneno ile michele ou michele na utambuzi. Mais cependant, ils sont des sous-bassements pour mon combat. Lakini inakuya ni misingi mvita yangu. Donne-moi la révélation. Nipatie ufunuo. Et délivre-moi. Na unifungule. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Nous disons amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et shangilia, oui, nous sommes en train de prier. Ndio tunapenda kulomba. Selon que tu as écouté ce message. Fatana vile unafuata mjumbe. Je ne sais pas les cantiques qu'on va nous donner. Sijue uimbaji watatupatia. Mais nous sommes en train de prier. Mais tukunaomba. Tu dis Seigneur. Nasema Bwana. Ce soir. Ijioni. Ce soir, cet après-midi. Ijioni. Parce que je ne comprends pas d'où vient mon combat. Bwana nichelewe kuna toka vipi. J'aimerais que tu te lèves. Tout ce que le monde des ténèbres a infiltré dans ma vie négativement. Il est aligné sur ma vie. Soit anéanti et paralysé. Il parte kuarubishwa na isikwe na nguvu. Oui, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Na tukunaomba mujina la Yesu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Mutuma anaweza kunyanyua sauti. Nous sommes en train de claquer ta main. Tu déclares des choses. Tu dis, Seigneur, je me lève. Je me lève contre le combat invisible. Je me lève contre les échecs répétés. Oui, nous prions dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix. Nous prions dans le nom de Jésus. Awe tous les aoukoula le. Yei aoukoula le. Awe tous les aoukoula le. Yei yei aoukoula. Refuse ce combat là. Tous les combats, toutes les choses que tu ne comprends pas dans ta vie, refuse ça. Refuse, détruis cela. Que cela soit paralysé cet après-midi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter en prière?
yo zinangea siya zinange yo 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 zinanga cha yesu megelani me yo yawe wanye yo yawe wanye yo yo oma siya zinange megelani yawe wanye megelani siya zinange yo 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 zinanga cha yesu Hallelujah, 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 hey, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah, oh, yes, Jesus. 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 Garde la même attitude. Nous voulons continuer à prier. Et nous voulons détruire tout esprit de la sorcellerie. S'il y a des événements qui se répètent dans ta vie, dans ta famille, derrière ces événements-là, derrière ce problème-là, il y a un esprit de sorcellerie. Ce soir, j'aimerais que tu te lèves encore, que tu puisses détruire toute œuvre de la sorcellerie, tout projet de la sorcellerie sur ta vie, sur ta maison. C'est que le monde sorcellerique satanique est en train de comploter contre ta vie, contre ta maison. Ce soir, détruis ce complot-là de la sorcellerie. Détruis cette puissance de la sorcellerie qui était en train de vous imposer une certaine manière de vivre dans votre famille. Il vous impose certains signes dans votre vie. Qui vous impose certains signes dans votre mariage. Détruis ce pouvoir de la sorcellerie. Anéantis cela ce soir. Détruis toute œuvre de la sorcellerie. Que ça ne se manifeste pas dans ta famille. Entre dans la prière ce soir. Commence à détruire toute œuvre de la sorcellerie. Distraction par le wiko. Enlève la distraction là. Touche des oreilles par le wiko. Enlève l'habitude là. Na kolonga, na kombo na Yesu na kolonga.
Gaina Colonga, Gaina Colonga, Nakombo, Gaina Colonga, Gaina Colonga, Gaina Colonga, Nakombo, Gaina Colonga, 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 Gaina Même à ton retour à la maison, que
tu sens que les choses ne sont plus comme elles étaient. Alléluia. Alléluia. Zokera ma shata. Oh, oui, babe. 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 Oui, oui, babe. Oui, babe. Oui, babe. Oui, babe. Oui, oui, babe. Oui, babe. Oui, oui, babe. Oui, babe. Oui, babe. Oui, oui, babe. Oui, babe. Oui, babe. Oui, oui, babe. Oui, babe. Oui, babe. Oh, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Pour ta persévérance dans cette prière. Tu as kudumu kwako kumaombi. Oh Dieu est avec toi là où tu es. Mungu yuko na wewe pale uko. Je dis que tu as déjà la victoire. Ninasema unakuwa na ushindi. Nous continuons à prier. Tunaendelea na kuomba. J'aimerais que tu dises à Dieu maintenant. Ninapenda mwambie sasa hivi Mungu. Que Dieu que les choses changent maintenant dans ta vie. Que l'on sache que réellement Dieu est Dieu dans ta vie. On nous a parlé de la grandeur de sa puissance. Paone ukubwa wa uwezo yake. Que Dieu manifeste maintenant sa puissance dans ta vie. Mungu aoneshe sasa uwezo yake maisha yako. Mwambie Mungu asema hii 100 jours Mungu avai kamalizike mimi napenda leo nione mabadiliko. Dia Dieu avant la fin des 100 jours de prière que je vois des changements dans ma vie. Par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Na hali yako. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ceci change. Umambie Mungu, mina penda hii badirike. Pas demain. Apana kesho. Mais aujourd'hui. Lakini leo. Parce que c'est un Dieu tout puissant. Kwa sababu anakuwa ni Mungu wa uwezo yote. À cause de la grandeur de sa puissance. Biblia nasema kwa ajili ya ukubwa ya uwezo yake. Même ses ennemis se soumettent. Hata baadhi yake banakuwa na shuka. À cause de la grandeur de sa puissance. Kwa ajili ya ukubwa ya uwezo yake. Que ta situation change ce soir. Hali yako badirike. Que les choses changent dans ta vie. Vitu vibadilike maisha yako. Mungu asema mimi napenda ubadilishe kwa mambo yangu hii. Ni ajue jemereke tu change ce problème. Mimi change mangaribi ya leo. Les choses changent ce soir. Mimi nakataa kutoka mangaribi ya leo. Je refuse de quitter ce soir. Mimi naona uwezo yako kutenda kwa maisha yangu. Sasa puissance da. Que ça change bien aimé. Ibadilike mwenyewe. Et ça doit changer ce soir. Inapaswa kubadilika. Est-ce que tu peux entrer en prière? Unaweza kuingia. Toi-même tu connais là où ça fait mal. Toi-même tu connais là où il faut qu'il y ait le changement. Au nom de Jésus, qu'il change ta situation ce soir. Abadilishe hali yako jioni ya leo. Que sa puissance se manifeste. Uwezo yake jionekane. Que l'on sache qu'il est Dieu. Qu'il n'a pas changé. Asiyabadilika. C'est qu'il a fait. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna, oh alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen. Il y a le même chose dans la façon de prier. Tu es puissant, tu es puissant, amen, tu es puissant, amen. Hosanna, Jésus, tu es puissant. Change ta façon de prier. Tu m'as dit que les choses changent. Il est puissant. Tu es puissant. Il est puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Amen. Oh, vaya eh oh. Vaya eh oh. Amen. Vaya eh oh. Amen. Oh, merci c'est de que. Merci c'est de que. Amen. Merci c'est de que. Amen. Hosanna. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Hosanna,
Oh, le tout puissant. Le tout puissant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus, que ça change ce soir. Alléluia. À sa puissance. Au nom de Jésus. S'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Hosanna. Amen. Que ça change. Quando Mungu wezo yako yonekane mu maisha yangu, yonekane mu ndoa yangu, yonekanishe mu kazi yangu, yonekanishe mu proje yangu. Bintu bibadirike, bila bikwaze kuendeka biendeke, bila bilikuwa bloke bifunguke. Bintu bishanje mangaribi ya leo, mu ndoa yako bintu bishanje, uwezo ya Mungu ishuke mangaribi ya leo. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, yimba, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, yimba, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus, amen. Il s'appelle Jésus, amen. Hosanna, oh le tout puissant. Oh que ça change ce soir. Parce qu'il est tout puissant. Hosanna, il est capable. Le tout puissant, amen.
Hosanna, oh le tout puissant, oh le tout puissant, amen, le tout puissant, amen. Hosanna, oh le tout puissant, le tout puissant, amen, le tout puissant, amen. Hosanna, amen. Hosanna, bien aimé, tiens-toi debout, nous sommes dans le combat. Mupendo ashimami ajuu tu kumu mvita. Ne cherche pas à te reposer ici. Usitafute kupumzika hapa. Nous sommes sur le champ de bataille. Tunakuya mushamba la mvita. Toujours dans cette attitude de prière. Paka muali moja moja maombi. J'aimerais que nous puissions refuser tout esprit de mort. Mimi napenda tukatale pepo yote ya lufu. Refuse la mort dans ta vie. Katala lufu mu maisha yako. Refuse la mort dans ta maison. Katala lufu mu nyumba yako. Refuse la mort dans ta famille. Katala lufu mu jamaa yako. Refuse la mort dans cette église. Katala lufu mu hii kanisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Katala lufu. Refuse la mort. Ma forme yake yote. Dans toutes ses formes. Oui, katali. Refuse la. Ikwe mu magonjo, ikwe mu accident. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans l'accident. Mwambie Mungu mina katala lufu. Dis à Dieu, je refuse la mort dans ma vie. Je sens Dieu ce soir. Mina mushikia Mungu jioni ya leo. Hallelujah. Amen. Dieu est là. Mungu yuko hapa. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Asante Roho Mtakatifu. Prie bien, Roga, Sota, my power, God. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu yuko hapa. Il va t'aider ce soir. Na itakusaidia jioni ya leo. Et je sens qu'il y a des gens qui sont concernés par rapport à ceci. Na mimi nashikia ya kwamba kuko bantu wanaelekea par rapport à ce sujet. Kwa ajili ya ishina. Mungu asante. Merci Père. Mungu akokoe muivita. Que Dieu te sauve dans ce combat. Mungu akutoshe. Que Dieu te ôte. Muivita alufu. Dans ces combats, il quoi par accident, il quoi par maladie, il quoi mungi à poison, kata la loufou mon affaire. Que ce soit par la maladie, par l'accident, par le poison, il faut que ce soit par la chasse la mari na nyumba yako. Que ça aille loin de ta maison. Yende mbari na jamaa yako. Que ça aille loin de ta famille. Taomba katika jina la Yesu Kristo. Prions au nom de Jésus Christ. Anza kukatala, anza kupomona, anza kufukuza. Commence à refuser, à détruire tout esprit de mort dans toutes ses formes. Tout esprit de mort. Que ça soit par l'accident, que ça soit par maladie. Ibu ya mushaka ikuwa kumagonjwa. Toko buna na molimo. Toko buna na zotote. Toko buna na molimo, toko buna na zotote, toko buna na moli, bundele wanga inalonga, zambi waniwe yo yo yo, bundele wanga inalonga, zambi waniwe yo yo yo, toko buna na zotote. Bitumayo, bundelanga inalonga.
ya Yesu papa wanye undalanga inalonga Yesu yo papa wanye est-ce que tu peux bien prier unaweza kulomba mzuri Yesu Yesu papa wanye bituma yo yo refuse refuse Il ungule na moto. Kankulikuwa lama ile ilikuwa na resiste mangaribi ya leo. Si avait un
sine qui résistait ce soir. Maisha yako. Dans ta vie. Munyumba yako. Dans ta maison. Maisha batoto yako. Dans la vie de tes moto enfants. Ishuke mangaribi ya leo. Que le feu descende ce soir. Kama moto na shuka. Si le feu descendait. Na ile ilikuwa ya kufuchama. Tout ce qui était caché. Aita fuchama. Ça ne va plus se cacher. Akafile poli le shiku. Comme ce jour la Paul. Analokota mayani. Il a refusé. Mule mayani mulikuwa nyoka. Dans ses herbes là il y avait. Na wakati alikele mayani pamoto. Et quand il avait placé ule nyoka sikufuchame. Le serpent qui était caché. Mwambia Mungu moto yako shuke. Dia Dieu que ton maisha yangu. Ya ma vie. Maisha batoto yangu. Ya la vie de mes enfants. Nyumba yangu. Ya ma maison. Fasi wote parikuwa alama ya kufuchama ya giza. Partu ya vezi. Yaanze kuteketeza mangaribi ya leo. Que ça soit consumé. Alama yote ya lufu. Que ça soit consumé. Yaanze kuteketeza mangaribi ya leo. Que ça soit consumé. Yetu naweza kunyanyua sauti. Est-ce que tu peux le faire? Anza kualika moto ya Mungu. Et invoque le feu de Dieu. Ifanye kazi maisha yako. Mangaribi ya leo mchina na Yesu. Ce soir on offre. Omba sasa, omba tena, omba. Prie, prie. Nyanyua sauti yako, omba. Leve ta voix et prie. Susha moto, ita moto. Fais descendre le feu, invoque le feu. Est-ce qu'on aweza kubadilisha mambo yako? Est-ce que tu peux faire descendre le feu? Yo, 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 yo. Ta prière, 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 Panda tena 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 Panda t
Masiana bimbo, salanga elembo, shata. Kolo, kolo na bimbo, masiana bimbo, salanga elembo. So players, lami wa moyo, so players, lami wa moyo, lami wa moyo, Yesu, lami wa moyo, yes, lami wa moyo, lami wa sakata, my God, lami wa moyo, Yesu, lami wa moyo. Kolo, kolo na bimbo, masiya na bimbo, salanga elembo. Kolo, kolo na bimbo, masiya na bimbo, salanga elembo. We kolo, kolo na bimbo, masiya na bimbo, salanga elembo. Lola soke, motaka, atatena. Invoque le feu de tout ton cœur. Alika moto yako. Le feu réel. Moto ni akweli. 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 Ce n'est pas une histoire. Aina dishi. Prie de manière à voir les effets du feu. Omba tu one matokeo ya uwezo ya moto ya Mungu. Prie pour que tu vois les résultats de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est plaisir, my God. Alléluia. Erabo Shata. Alléluia. Yamosa. Usa. Gloria Soka Rabos. Ericanta Bleria Soka. Ela Soka, Ela Soka. Feremana, Menemas. Yababa Shata. Erakita, my glorious. C'est plaisir. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Que le feu de ça, que le feu agisse dans toute ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le feu, prie le feu. Prie le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Tout le monde s'appuie Jésus Christ au micro. Acclame Jésus. Et Dieu te bénisse abondamment. Pouvons nous rasseoir. Sois béni, toi qui es arrivé ce samedi. Que toutes les bénédictions de ces chaises vides soient à toi. Amen. Amen. Nous voulons vous libérer bien avant. Et demain, nous nous retrouvons le matin, ce n'est pas les après-midi. Il nous reste très peu de jours. Fortifie-toi et engage-toi. Ne t'affaiblis pas. Limite pas les autres. Dans peu de jours, nous allons terminer avec cette prière. Et tu ne sortiras pas à vide dans cette prière. Le Seigneur soit loué. Amen.